Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, on va se faire une séance home trainer. Comme vous savez, on est confiné, on peut pas sortir. Alors du coup, on continue quand même à s'entraîner. J'ai trouvé une petite appli sur smartphone, KinoMap, qui nous permet de pouvoir continuer à nous entraîner. On va tester ça, c'est des petites sorties virtuelles. On va se faire une petite sortie de 30 minutes, tranquillement. Du coup, on a sorti le mulet, on lui a changé la roue, on lui a mis la roue hivernale avec un vieux pneu, parce que j'ai pas de pneu pour home trainer pour l'instant. Du coup, on va rouler avec ça. Comme vous voyez, c'est un vieux home trainer que j'ai. Et du coup, pour les pentes et tout ça, il va falloir jouer à la main, il va falloir jouer le jeu à fond. Voilà, sur ce, on va se préparer et puis on va attaquer cette petite série de home trainer. Allez, c'est parti. Bon, du coup, je vais vous présenter le matériel. Bon, le Torpado, vous le connaissez. C'est mon vélo habituel pour la route. Là, j'ai un vieil home trainer. Je lui ai mis vraiment un vieux pneu parce que le home trainer use énormément les pneus. Du coup, cette application, voilà, KinoApp, petite application sympathique, on appuie dessus. On va se mettre dans playlist. On va choisir de découvrir en France. Et j'avais dit que je voulais faire celle-là. Voilà, on appuie sur démarrer. Une carte s'affiche. Une petite mise au point. Alors, il nous demande. Voilà. Désolé, cela je suis avec le réflexe. Du coup, démarrer. Et on va se préparer parce qu'il va falloir qu'il trouve mon équipement pour pouvoir voir que j'avance et que je ne fais pas le feignant. Pour régler du coup l'intensité, ça va être à moi de jouer le jeu, hein, de régler par rapport aux pentes. On a toujours notre petit compteur Brighton qui est là, qui va m'indiquer ma fréquence de pédalage et de moins de pédalage, je ne sais pas si on dit comme ça, mais on s'en fout, hein. Et le cœur. Bon, et allez, je vais mettre les chaussures et puis on est parti pour un petit 30 minutes. Allez, c'est parti. Une petite carte, je suis là, avec l'Auvergnat et là, et on est sur des petites routes tranquillo. C'est pas vraiment le top pour s'entraîner, non, c'est pas top. On n'a pas le choix en ce moment, du coup on fait du home trainer et puis on continue à faire tourner les roues, les jambes. Et surtout on ne cesse pas à battre les gars. Donc, on est sur la version gratuite de l'application. Je pense que la version payante doit être aussi sympa. Parce que bon, là il y a des petits bugs, mais pas gros. C'est pas très très gênant, mais bon, moi je trouve sympa, c'est vraiment d'avoir une petite image. Et là, avec un petit plan, ça évite d'être tout seul. On peut faire aussi multijoueur. Je regarderai si dans le mode gratuit on peut le faire ou pas. Mais pour l'instant, on va s'entraîner comme ça. Et je continue. Bonne trainer, ça fait vraiment transpirer. On est dans une petite pente 4%. Du coup, on joue sur le bouton manuel, hein. On se met sur le niveau 4, puis on joue avec les vitesses. La machine est connectée, alors du coup on fait comme ça, pas trop le choix. Mais franchement, une bonne petite application quand même, hein. Rien à redire. Petite sympa. Pendant ces moments,
facile pour nous. Du coup, on est déjà à 10 minutes. Le souffle qui est complètement coupé. Vraiment, ça crève. Désolé de pas pouvoir trouver mon souffle, mais vraiment, je transpire à fond et j'arrive pas à reprendre mon souffle tranquillou. J'ai le cœur qui est à 160. Et on est dans une portion roulante. Encore tu viens s'entraîner. Bon ben voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo. Une sortie d'à peu près 20 minutes. On était parti au début sur la France. Après, ben du coup, j'ai eu un problème de connexion. Et ben on est parti rouler en Californie. Alors cet appli est vraiment pas mal, sauf que moi je suis vraiment trop en campagne, c'est-à-dire que j'ai un tout petit réseau internet et du coup ça bug, il va falloir que je trouve une autre application pour continuer à m'entraîner. Dites-moi vous en commentaire pendant ce confinement, comment vous faites pour vous entraîner en sachant qu'il faut qu'on reste à la maison et qu'il faut continuer à pédaler pour pas perdre ce qu'on a acquis pendant ce début d'année. Voilà, dites-moi vous en commentaire comment vous faites. Moi je vais essayer de trouver une autre application d'entraînement pour le home trainer pour pouvoir continuer à m'entraîner. J'essaie de m'entraîner tous les jours à peu près 30 minutes pour pas perdre la forme. Voilà, sur ce, ben, portez-vous bien, faites du sport chez vous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!